C'est la faveur de Dieu.
est toute une disposition de bienveillance, dans cette de bonté venant de la part de Dieu pour quelqu'un. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause des œuvres, des mérites ou des privilèges, mais par pure grâce. Et c'est un acte de générosité, quelque chose donné en signe d'amour, d'affection de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ne connaissent pas la faveur de divine, la faveur de Dieu, ils vont parler de la chance, il est chanceux. Oh, cette fille, elle est chanceuse, hein? Cet homme-là, il est chanceux. Mais j'aimerais leur faire comprendre aujourd'hui que c'est la faveur divine. Elle est un programme du ciel. Donc, ça veut dire que c'est un programme disponible dans le ciel pour les fils de Dieu. C'est un programme déjà élaboré, déjà ficelé, et disponible pour les fils de Dieu, qui leur permet d'expérimenter la bénédiction et la grâce de Dieu partout où ils iront, à n'importe quel moment de la journée ou de la vie. Et partout, c'est une grâce qui les accompagne. Dans la parole de Dieu, la faveur divine est accordée à beaucoup de personnes. Et elle est exprimée par cette mention-là, trouver grâce auprès de, aux yeux de Dieu. Quand vous voyez à chaque fois qu'on dit quelqu'un a trouvé grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire que la faveur de Dieu a été disponible pour cette personne. Ou un regard favorable de l'Éternel sur lui, ça veut dire la faveur de Dieu a été disponible pour cette personne. Donc nous avons Genèse 6, 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La faveur était sur lui. Alléluia. On a encore Ésaïe 33, 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit. Donc Moïse dit, tu vas me faire monter, tu vas faire monter ce peuple, mais tu ne m'as pas dit qui tu vas envoyer. Mais cependant, voilà ce que toi tu m'as dit à moi, Moïse. Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et quand nous avons observé la vie de Moïse, la faveur divine était son partage. Et nous avons Proverbe 3, 4. Tu acquéras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia. Amen. Donc, elle est représentée par le fait qu'on trouve grâce auprès aux yeux de Dieu. Alléluia. Elle est représentée par ça. La faveur divine est aussi représentée par le fait que Dieu montre sa face à une personne. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible plusieurs David par exemple qui dit Seigneur, ne me cache pas ta face. Enfin, le fait que Dieu nous cache la face, c'est que Dieu a retourné sa faveur. Il a repris sa faveur. Alléluia. Et quand Dieu montre sa face à quelqu'un, alors c'est la grâce et la faveur qui t'a montré. Généralement, les gens qui expérimentent une expérience surnaturelle avec Dieu, dans une vision, dans un rêve où ils voient Dieu, c'est un signe de la grâce, de la faveur de Dieu sur la vie de cette personne. Parce que ce n'est pas n'importe qui à qui Dieu se révèle. Alléluia. La face de Dieu tournée vers une personne ou montrée à une personne représentant sa faveur. C'est pour ça que David pouvait dire en Psaume 102, au verset 2 à 3, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, car quand je crie à toi de mes ossées. On en Psaume 6, 25. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. On parle de la faveur divine. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va comprendre exactement comment il se manifeste. Donc, nous allons maintenant parler de la manifestation de la faveur divine dans la vie de quelqu'un. Alléluia. 1. Ce n'est pas parole, c'est juste comme ça. La faveur divine projette quelqu'un au sommet. Et lorsque la faveur divine amène quelqu'un au sommet, personne ne peut le faire descendre. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que quand la faveur divine est sur toi, tu n'as plus besoin de te battre. Dieu te porte pour les sommets. Et quand il te porte pour les sommets, les gens ne peuvent pas te faire descendre. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que tu fais. Il y a plusieurs personnes qui leur ont demandé, c'est quoi tu utilises? Quel est ton secret? Mais le secret, c'est qu'il y a la faveur de Dieu sur eux. Joseph est quitté d'un simple esclave. Un simple. Il n'y a pas un niveau en dessous de l'esclave. L'esclave, c'est le niveau le plus bas de la valeur d'une personne. Alléluia. L'esclave devient un objet qui appartient à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un niveau en dessous d'esclave. Mais l'équité d'esclave pour être au sommet.
à cause simplement de la faveur divine. Et la faveur divine fait la différence. Dans sa manifestation, elle en a une personne en bas, elle le projette au sommet. Et c'est ce programme-là qui a permis à Joseph de quitter de la prison en 24 heures et de se retrouver dans le palais. C'est ce programme-là, la faveur divine, qui a permis à Daniel de quitter en 24 heures dans la force au lion et de se retrouver dans le palais. Alléluia. C'est pour ça que chacun de nous devons le rechercher. Des fois, on cherche l'élévation ailleurs. Mais je pense qu'il faut chercher simplement la faveur divine. Des fois, nous nous battons pour beaucoup de choses. Mais je crois que nous devons arrêter de nous battre pour ces choses-là. Recherchons et amplifions la manifestation de la faveur divine sur nous. Alors tout le reste va s'accélérer dans notre vie. Alléluia. Quand je vais expliquer comment, j'aime pas trop le mot activer, mais comment permettre à ce que cette faveur divine soit actionnée dans notre vie, vous allez comprendre que nous devons maximiser dans ce domaine-là pour que la faveur de Dieu soit sur nous. Quand elle est sur nous, nous ne faisons pas beaucoup d'efforts. Alléluia. C'est comme ça que la Bible pouvait dire, quand l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Parce que la faveur de Dieu était pour le peuple juif, alors tous les ennemis étaient à leurs pieds. Pas parce qu'ils avaient la plus grande armée, pas parce qu'ils étaient les plus forts. C'est pour cela que ceux qui comptent sur leur intelligence, leur relation, leur capacité, leur argent, vont toujours être confondus. Cherchez la faveur divine, c'est elle qui fait la différence. Alléluia. Donc elle enlève au bas pour emmener dans le hauteur. La faveur divine embellit les destinées. Alléluia. Des fois, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que c'est un film, en fait. Un bon film. Alléluia. Qui finit toujours bien. Et c'est la faveur divine. Parce qu'il y a tous des petits problèmes, des situations. Mais à toujours, ces situations finissent toujours bien. La faveur divine. Elle embellit les destinées. Elle a la capacité de doubler la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Elle élimine les luttes et les combats et accorde la montée facile dans les bénédictions. Elle libère aussi les bénédictions en abondance. Elle vous rend capable d'obtenir le bon trésor de l'Éternel. Dans la faveur divine, tu seras capable d'obtenir le bon trésor de l'Éternel. C'est-à-dire ce que Dieu a réservé de bon pour les gens qui l'aiment. Dans la faveur divine, tu donnes accès. Alléluia. Amen. 3. La faveur divine nous rend capable d'expérimenter le succès dans tous les domaines. Elle fera de vos ennemis que vos ennemis se prospéreront devant vous, seront assujettis face à la faveur de Dieu. Elle fera que tous ceux qui sont en compétition avec vous vont échouer dans cette compétition. Et c'est la faveur divine qui fait cela. Il y a des gens qui sont là et disent, mais j'ai rien fait. J'ai même rien. C'est même lui qui a tout. Mais pourquoi c'est moi qu'ils ont choisi? Pourquoi c'est moi qui ai gagné? Pourquoi c'est moi qui ai eu la victoire? Pourquoi c'est moi qui ai réussi pendant que lui était plus intelligent? Pourquoi c'est moi qui ai eu l'examen pendant que lui, il avait tout pour l'avoir? Amen. Quand je vais finir de te parler de la faveur divine, je pense que tu vas te concentrer sur elle. Et tu vas plus la chercher qu'autre chose. Alléluia. Amen. Parce que notre société nous a beaucoup maximisé. Ce n'est pas mauvais. Mais faites attention, l'homme ne peut pas se reposer sur lui-même. Nous avons beaucoup poussé à travailler dur, à augmenter nos connaissances, à avoir de plus grands diplômes. Ce n'est pas mauvais. Mais sans la faveur divine, ces choses-là resteront dans ta main, sans que ta vie n'aille nulle part. Alléluia. C'est la faveur divine qui fait que quelqu'un qui n'a pas eu, n'est pas allé à l'école, se retrouve à diriger des gens qui ont des bacs plus 5, bacs plus 10 000. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas conditionnée par les réalités humaines. Elle est conditionnée par le ciel. Et dans le ciel, il n'y a pas de règles. Tout est possible. Alléluia. C'est la faveur divine qui fait que le vilain garde griffe se retrouve avec la fille que tout le monde a voulu. Et pour dire, comment tu as fait? Mais rien. Amen. Mais c'est moi qu'elle a vu dans tous les beaux gardes de Libre. Alléluia. C'est moi qu'elle veut dans tout ce monde-là. Amen. Donc, comme j'ai dit, elle nous permet d'expérimenter le succès dans tous nos domaines. La faveur de Dieu fera que Dieu aura compassion de vous, de nous. Les gens pêchent.
Mais quand quelqu'un a la faveur divine sur lui, Dieu a beaucoup plus de patience avec cette personne. Je n'ai pas dit qu'elle aime le péché. Mais là où Dieu a chicoté les gens, cette personne-là, elle sent une sorte de miséricorde. Parce que Dieu a beaucoup plus de compassion quand la faveur, quand sa faveur se manifeste envers quelqu'un. Là où les autres vont commencer à souffrir, ils ont marre de secours. Toi, tu auras du secours. Là où les autres vont commencer à dire, mais c'est compliqué, on n'arrive pas à s'en sortir. Toi, qui as la faveur, tu auras de l'aide. C'est comme si vous ne vivez pas dans les mêmes saisons. Pendant qu'ils sont venus dans la saison de la vache maigre, toi, c'est toute la saison de la vache grasse. Pendant qu'ils disent que la saison de la vache grasse, toi, tu es encore dans la saison de la vache grasse. Et c'est la faveur divine qui permet cela. Alléluia. Lorsque vous êtes touché par la faveur divine, vous aurez l'avantage partout où vous vous trouvez. Quand la faveur divine descend sur votre vie comme ça a été le cas de Joseph, tout chose peut arriver en 24 heures. Tout chose, prison au palais, comme David, berger à la royauté. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était puissant. Parce que dès le départ, la faveur divine était sur lui. Alléluia. Dès le début, la faveur divine était sur la vie de David. Le succès dans la vie est fonction directe de la faveur divine. Toute grâce exceptionnelle, appelée faveur divine ou exceptionnelle, vient directement du ciel. Tout droit de Dieu. Alléluia. Joseph est simplement né. Il n'a pas fait grand chose. Mais son père l'aimait plus que les autres. Parce que sur sa vie, il y avait la faveur divine. Alléluia. Sur sa vie, il y avait la faveur divine. Lorsqu'elle est sur ta vie, les gens vont commencer à t'aimer, à t'apprécier. Sans raison. Alléluia. Les bénédictions des élévations sont fonction de la faveur divine. Alléluia. La faveur divine vous accorde l'accès au mystère de Dieu. Dieu vous permettra de prendre le dessus sur toute situation contraire et elle vous rendra puissant à partir de rien. Donc on a eu le cas de David. À chaque fois que quelque chose va commencer à t'atteindre, c'est comme s'ils ont touché à la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Moi, je me rappelle vraiment de cette manifestation. Ça m'a tellement accompagné dans toute ma vie et que ça continue à m'accompagner, cette faveur divine. Des fois, je dis à Dieu, mais pourquoi moi? Je ne suis pas milliardaire, mais la faveur divine n'est pas part de ma vie. Je me rappelle de ce jour-là où au Tchad, quand je conduisais une voiture et j'avais cogné quelqu'un. Je l'avais traîné sur de longs mètres avec une grande carcasse. On disait dans ce pays-là, quand tu cognes des gens, la première chose qu'on fait d'abord, on te bastonne. On te bastonne sérieusement et on te met en prison. Moi, je ne savais pas. Quand je fais l'accident, pendant que je suis paniqué, les gens parcourent mon tour. Ils me disent, non, le gars n'est pas mort, va fermer la voiture, garde la voiture. Bon, viens, il y a un que je ne connaissais même pas, il dit, monte sur ma moto, je t'enlève de là. Et il m'a pris sur la moto, il m'a enlevé de là. Quand j'ai appelé mon patron, il m'a dit, oh, on t'a rien fait. J'ai dit, non, on m'a rien fait. Au contraire, même, tu as mis des anges qui m'ont aidé à fermer la voiture, qui ont fait tout, et qui m'ont accompagné de là, qui m'ont enlevé là. C'est eux-mêmes qui disaient que tu n'as pas tué le gars. Moi, je dis, oh, je l'ai tué. Il dit, non, tu n'as pas tué. Oh, d'habitude, on va. Et ça s'est manifesté comme ça à plusieurs reprises, dans beaucoup de domaines de ma vie, dans toutes les adversités que j'ai rencontrées. J'ai toujours senti Dieu prendre le devant. Au point même quand des gens me font du mal, ça se retourne tellement gravement contre eux que des fois je demande pardon à Dieu. Quand tu as la faveur divine sur toi, celui qui te touche a touché à Dieu. C'est pour ça que tout enfant de Dieu et tout enfant d'un père doit chercher cette dimension de la faveur du Père. On ne peut pas rester comme ça, vivre avec Dieu de manière normale comme tout le monde. Nous devons
chercher la dimension de la faveur du Père sur notre vie. Nous devons la rechercher. C'est pour ça que pendant ces 3 jours, je me permettrai de parler de comment nous rentrons dans cette faveur, dans cette dimension. Quand la faveur de Dieu est sur vous, sans forcer, Dieu va amener des gens. Deux fois, ce sont des rois qui vont vous aimer pour rien. Des rois qui vont vous apprécier pour rien. Ça ne vous met quand vous regardez la sphère, vous dites, dans tout ce monde-là, pourquoi c'est moi qui l'a choisi? C'est juste la faveur de Dieu. Alléluia. Dans tout ce monde, après, c'est mon dossier qu'il a retenu. Dans tout ce monde, après, c'est à moi qu'il a donné. Et c'est comme ça qu'on a vu Joseph. À chaque fois qu'il partait quelque part, on l'aimait. Surtout le cas de Daniel. Le roi même le met dans la fosse au lion. Et puis c'est lui le matin qui coupe. Mais Daniel, ton Dieu t'a sauvé. Mais c'est pas toi qui m'as jeté dans la fosse au lion. Tu me demandes quoi? Tellement il aimait Daniel. Ils ont tout fait pour le coincer. Afin qu'il puisse sanctionner Daniel. Ça va arriver. Mais à cause de la faveur de Dieu, qui a fait que le cœur de ce roi-là est rempli d'amour pour toi. Le roi-là, Dieu va l'utiliser pour faire que du bien dans ta vie. Alléluia. Ça ne changera pas. Et Joseph avait trouvé grâce auprès de son maître. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui t'a tout confié. Mon frère, ma soeur, la faveur divine fait la différence. Quand la faveur de Dieu est sur notre vie, personne ne peut nous écraser. Dieu va toujours nous amener dans des hauteurs. À chaque fois que quelqu'un voudra nous faire descendre, ça sera comme s'il a appuyé une balle gonflée dans de l'eau. C'est comme si tu veux noyer un ballon. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as la faveur de Dieu sur toi, à chaque fois que les gens, plus les gens t'appuient, quand ils te laissent, plus tu vas en haut. Plus ils t'appuient, quand ils te laissent, on va plus, en te disant qu'ils vont te laisser en bas, ils vont te retrouver en haut. Et ça, c'est l'effet de la faveur divine. C'est pour ça que j'aime toujours dire aux gens, ne vous vengez pas. Quand la faveur divine est sur toi, ne te venge pas. Ta meilleure vengeance, c'est de laisser Dieu faire. Parce que ce qu'il va faire, toi-même, tu auras pitié de cette personne. Mais une fois, il va laisser seulement la personne tranquille. Et puis, il va seulement te lever encore plus. Parce que l'objectif de tes ennemis, c'est de te garder par terre. Mais quand tu as la faveur divine, plus il cherche à te mettre par terre, plus Dieu te lève encore plus haut. Il y a plusieurs personnes qui sont dit, quand ils vont quitter cette église, elle va se fermer. Mais quand ils sont partis, mais c'est là même que la faveur de Dieu a explosé chez nous ici. C'était eux-mêmes la malédiction qui bloquait notre bénédiction. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'à chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un qui a la faveur de Dieu, amen, tu es en train de le pousser encore plus haut. À chaque fois que tu veux écraser quelqu'un qui a la faveur de Dieu, tu l'amènes encore très loin. C'est pour ça que quand vous détectez comme ça que quelqu'un est environné de la faveur de Dieu, faites attention. Veillez à ne pas faire du mal à ce genre de personnes. Alléluia. Comme on dit en Côte d'Ivoire, les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Alléluia. Aujourd'hui, on est tous chrétiens ici, mais faites attention. Il y a des gens dans leur connexion avec Dieu. Il ne faut pas les toucher. Alléluia. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, parce qu'on a toujours réduit ça aux hommes de Dieu. Amen. Parce que ces personnes ont appliqué les règles qu'il faut pour que la faveur divine soit. Et c'est de ça que je vais parler dans ces 3 jours-là. On ne va pas commencer à parler aujourd'hui. Alléluia. Donc quand la faveur de Dieu est sur toi, il te distingue des autres. Il te mène à part. Il fait que les gens voient que tu es différent. Des fois, tu n'as même pas tout ce qu'ils ont. Mais ils ont l'impression que tu as trop. Alléluia. Des fois, tu n'es pas comme eux sont. Mais ils ont l'impression que toi, tu es plus meilleur. Parce que la faveur de Dieu, quand tu as bénéficié de la faveur de Dieu, alléluia, comme je l'ai dit, tout ce qu'on te fera ne va pas t'atteindre. Toute âme forgée contre toi devient nulle et sans effet. Toute chose bien ou mal finit toujours par concourir à ton bien.
Et pendant qu'on est en train de te faire du mal, en fait, ça va finir par, par le bien. Tout ce que tu toucheras prospère. Là où tu mets ton pied, il y a la réussite. Là où les autres ont passé, ils ont échoué. Toi, tu passes, tu réussis. C'est pour ça que je n'aime pas aller arrêter de faire quelque chose sur le conseil négatif de quiconque. Quand on dit, mais pasteur, mais Donald, mais ce côté-là, tout le monde a essayé. Généralement, les gens ne réussissent pas. En fait, quand tu as la faveur divine, là où les gens échouent, tu réussis. Là où on dit c'est impossible, cela devient possible. Il est impossible qu'un esclave devienne le premier, le gouverneur d'Égypte. Ce n'est jamais arrivé. Mais avec Joseph, c'est arrivé. David était, pas David, Daniel était aussi un esclave. Il est impossible qu'un esclave arrive à cette dimension de gouvernance. Donc avec la faveur divine, ce que les gens disent impossible, tu seras devenu possible pour toi. C'est pour cela qu'il est important que chacun de nous, nous mettons tout ce qu'il faut en œuvre pour que la faveur de Dieu soit notre partage de tous les jours. Il faut que nous comprenions ce qu'il faut pour qu'elle soit notre partage de tous les jours. Parce que lorsque sur notre vie, on a cette parole-là qui se manifeste où Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je te conserve ma bonté. » Et quand tu atteins cette dimension, tu réalises ce que c'est que Dieu m'aime. Mais d'autres aujourd'hui sont frustrés, ils sont jaloux, ils sont aigris. Parce qu'ils n'ont pas essayé d'attirer la faveur du roi. On n'a pas à se battre avec les autres. Il y a une personne qui est notre cible, c'est le roi. Nous devons attirer sa faveur envers nous. Et nous savons, si tu as seulement la faveur du président, Ali Bongo, ici dans ce pays, imagine tout ce don, tout ce qui est à disposition, a pour votre raison la faveur divine. La faveur du président Ali Bongo est limitée. Parce que face à un cancer, cette faveur-là ne peut rien faire. Mais la faveur que Dieu nous accorde n'a pas de limite, n'a pas de condition. C'est pour ça qu'il est important pour nous de la rechercher. Et que tout enfant de Dieu doit y aspirer, doit le désirer profondément dans son cœur, doit mettre en œuvre tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut étudier la vie, parce que ce que je vais donner là, c'est l'étude de la vie de ces hommes qui avaient été accompagnés par la faveur de Dieu. Et de voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Et puis Dieu les avait spécialement pris, et qu'il a même déclaré l'un de l'homme selon mon cœur. Alléluia. Il faut qu'on recherche ça. Et cette étude-là m'a permis de comprendre des choses que je vais vous partager. Et je crois qu'il va nous aider à rentrer dans cette faveur. À tirer le regard de Dieu vers nous. À tourner la face de Dieu vers nous. Et que notre vie soit différente. Qu'elle ne soit pas ordinaire. Et que Dieu soit avec nous. Et la Bible dit l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous allons arrêter aujourd'hui pour là. Demain, nous allons continuer. Nous allons voir les caractéristiques de cette faveur-là. On a vu les manifestations. Nous allons voir les caractéristiques. Nous allons en parler. Et puis, certainement, on va commencer à aborder comment permettre que cette faveur-là se déploie. Je nous encourage à faire ces 3 jours de jeûne sérieusement et à méditer les passages qu'on vous a donnés. Je t'encourage aussi à méditer, à lire le livre de Joseph. Elle expose vraiment clairement la faveur. Avant, nous prions. J'ignorais que tu t'es présent.